La team, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous l'avez sans doute compris si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, on part totalement dans une nouvelle série. Ça veut dire que Routine Football, c'est terminé. Là, pour la nouvelle saison, on va totalement être dans un concept bien plus immersif. Je vais essayer de faire en sorte que vous soyez presque tout le temps avec moi de manière hebdomadaire, donc qui est quasiment un vlog par semaine. Au moins grâce à ça, vous allez pouvoir suivre mon évolution, être présent dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Donc bref, comme vous avez compris, dans cette série vidéo, je vais faire en sorte qu'il y ait un max de détails pour que vous puissiez vraiment être comme en immersion avec moi. À part ça, je voulais aussi m'excuser par rapport au peu de vidéos qu'il y a eu sur la chaîne dernièrement. Comme vous le savez sans doute, les périodes de mercato, c'est très compliqué, je suis énormément occupé et donc c'est beaucoup plus difficile de faire des vidéos. Et vous inquiétez pas, là je reviens en force avec beaucoup de nouveaux projets. Et surtout, je suis à la recherche peut-être d'un nouveau projet dans un club. Et c'est ce qu'on va voir dans les premiers épisodes de cette série. Et d'ailleurs, notamment cette semaine, j'étais à l'essai à Andoum dans un club de National 2 près de Marseille. Ça s'est bien passé, j'attends d'avoir un petit peu des nouvelles d'eux. Mais surtout, j'ai aussi beaucoup d'autres propositions d'essai, et notamment là un très important que je vais avoir dès demain, qu'on va vivre ensemble, qui est en National 1. Donc c'est avec Villefranche FC. C'est l'équipe qu'on avait joué en Coupe de France cette saison, on avait fait 0-0 contre eux. On avait malheureusement perdu aux prolongations, mais pour ma part, j'avais fait plutôt un bon match. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué cette saison, mais contre eux, j'avais vraiment été performant. Donc c'est une bonne chance que j'ai pu me faire remarquer. Donc bref, c'est vraiment une belle opportunité. J'espère que ça va bien se passer. J'espère surtout que vous allez kiffer cette série vidéo. Donc bref, on est parti. Ça y est, on est parti avec mon père, direction Villefranche. Un peu de route, je vais en profiter pour me reposer, bosser aussi sur 2-3 vidéos. Dans tous les cas, j'ai hâte d'arriver, surtout hâte d'être demain pour les essais. Et on se voit dès que j'arrive là-bas. Bon, la team, il y a Ludo qui arrive aussi. Donc là, on va se retrouver normalement au même hôtel ce soir. Ça va plutôt être cool puisque c'est mieux quand on est deux, on se connaît déjà, ça peut être pas mal de faire les essais ensemble. Et en même temps c'est assez logique, il avait fait vraiment un super match contre Villefranche en Coupe de France. Vous l'avez sans doute vu là sur ma vidéo, c'était le petit numéro 10 blond aussi. Très très bon joueur, donc on va passer les 3 jours ensemble. Bon et comme vous pouvez voir, il a de la route aussi. Bientôt arrivé, on va s'arrêter manger un petit bout là à Lyon. La route, ça s'est bien passé. On a l'habitude à force pas de cette route. Ouais, c'est pas le pire, hein. Des fois on va plus loin. C'est quoi le pire qu'on a fait? Le plus loin c'était à Quevilly en Normandie. Ouais, j'avais fait un et essai. Sedan, c'était pas mal non plus. Pas mal exact. Loin. J'avais fait un essai à Quevilly pour leur réserve qui était en CFA2. Et Sedan pour la Nationale 2 aussi. La météo à Lyon, c'est pas la Côte d'Azur, hein. Ça me rappelle un peu plus Limoges. Bon, on est dans les petites rues piétonnes là, je cherche un resto dans le délire bon, mais pas trop gras quoi, pas non plus la bouffe lyonnaise. On va voir s'il y a un plat de pâtes, un peu de poulet. On essaye de trouver ça. Et si possible, pas trop cher. Parce que là, c'est moi qui paye la bouffe ce soir. J'ai un pote à moi aussi qui est souvent venu me voir dans les matchs. Qui est sur Lyon. Que je viens de croiser. Et on dirait. Vous connaissez mon frère. Ça va pas manquer. Hein. J'en étais sûr. Ça va bien? Tu vas apparaître dans mon petit vlog, petit vlog d'essai. Bon. On va se prendre une petite brochette. Allez, bonne app. Bonne app. Bon, ça y est, on a bien mangé. Maintenant, direction l'hôtel pour passer une bonne petite nuit et demain, les essais. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel. Quelle heure il est là? 21h30. Bon, voilà.
On est dans la chambre de l'hôtel. J'ai vu Ludo qui m'a apporté mes crampons que j'avais laissés à Limoges. J'avais pas prévu au début de partir directement sur Villefranche. Bon, du coup, la chambre, franchement, c'est assez cool. On a lit de place, petite salle de bain classique, petite baignoire. Je pense que ça va être cool. Du coup, bah là, on est bien installé. On va se doucher, on va passer une bonne petite nuit. Et nous, on se retrouve demain matin pour le petit déj. Bon. Il est 8h et quelques. Direction le petit déj. Un peu fatigué, mais ça va. On va essayer de bien manger parce que c'est important. J'ai encore la tête du matin. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Nourriture saine, Ludo ? Ouais, d'hab. On a bien mangé, retour à la chambre, on se prépare. Et après direction, le premier entraînement. Bon, on est en voiture la team, fin du premier entraînement, ça s'est bien passé, on a peu touché le ballon, on a fait petits exercices d'échauffement, ensuite un test VMA, pas facile mais ça va, moi je suis plutôt bon dans ça, et on a terminé premier ex-aequo avec un autre joueur, donc ça c'est plutôt cool, on a fait le palier 21,5, donc c'est bien, et ensuite un petit exercice technique mais très rapide, et là on rentre à l'hôtel, on va bien manger, se reposer. Et cet après-midi, nouvel entraînement. Bon, on a bien mangé. Il est un peu moins de 14h. Je vais me reposer tranquille dans la chambre. Et après, on se retrouve pour l'entraînement de l'après-midi. Fin de la sieste. On s'écoute un peu de musique motivante. Allez. Là, en tout cas, ce matin, très bon ressenti, que ce soit avec le coach ou les coachs adjoints. Ça s'est très bien passé. Le programme des 3 jours, il a l'air assez cohérent. Et là, cet après-midi, plutôt du travail technique, des jeux de conservation et tout. J'ai hâte de faire ça parce que bon, même si le physique, c'est un de mes points forts, j'ai surtout envie de me montrer sur le terrain. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Fin de la deuxième séance d'entraînement, ça s'est très bien passé dans l'ensemble, beaucoup de concerts, c'était assez plaisant. Et je voulais vous montrer un petit truc, Villefranche, ben, c'est l'avantage de la nationale, ils nous prêtent des petites voitures de fonction.
J'ai décidé de prendre la bleue parce que voilà, c'est les couleurs de Villefranche. Je trouve que c'est assez cohérent. Ah, vous me croyez pas les gars? Et je vais vous montrer un truc. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Les petites mercuriales, les plus beaux crampons que j'ai jamais eu limite. Voilà ce que ça donne après une séance. Et pourtant, je les ai lavés direct après la douche et tout. Et là, c'est compliqué. Je sais même pas comment je vais réussir à laver ça. Elles sont magnifiques, hein, mais ça, c'est le désavantage des chaussures blanches. Ça fait un peu chier. Mais bon, on va essayer de les laver parce que c'est dommage. C'est ce que je disais, hein, c'est limite des chaussures. On a envie de les garder en collection, quoi. Et comme toujours sur mes vidéos, c'est Football Émotion, moi qui m'envoie mes crampons. Si vous êtes intéressé par les mêmes que moi ou même d'autres, il y a tout qui est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Bon, je me suis maté quelques séquences d'entraînement du jour. Comme j'ai plutôt bien passé, voilà, on s'est pas trop mis la pression. On essaye avant tout de prendre du plaisir, comme je dis souvent, en étant quand même sérieux. Là, il est quelle heure? Il est bientôt 19h30. Avec Ludo, on va aller manger en ville, histoire de voir un peu comment c'est Villefranche. Essayer de trouver un resto pas dégueulasse, sans doute encore un resto italien ou quoi, pour prendre des pâtes. Et ensuite rentrer se reposer à l'appart. On cherche un resto. Tout est mort dans Villefranche le lundi soir. Va-t-on manger au Cheval Noir? On l'a joué sobre. Introuvable, tout était fermé. Petite cafette. Ludo, il va faire péter le burger. On est censé venir pour manger un peu sain. Comment tu veux résister à tout ça? Impossible. On craque pas, nous, on craque pas la team. Salade de fruits. Je suis en train de m'acharner, les gars. Je m'acharne littéralement sur ces chaussures. C'est pas possible. Il y en a une que j'ai bien récupérée, qui commence à avoir de la gueule, on va pas se mentir. Mais elle lâche pas. Je sais pas comment faire partir ce verre là. Bon, je suis presque arrivé à arranger ça pour les chaussures. Je vais vous montrer vite fait. C'est un peu mieux. Il y a encore un peu de verre, mais bon, c'est déjà pas mal. J'avais un joueur quand j'étais ma deuxième année en N3. Un super joueur qui a 200 matchs en pro et tout, vraiment en top. À la fin des entraînements, il passait mais beaucoup de temps à laver ses crampons. Il en faisait super attention. Et il avait raconté un peu son histoire. Il venait d'Afrique, jouait, enfin voilà, pieds nus jeunes. Et il a dit, les gars, ça, une belle paire de crampons, c'est de l'or. On se doit toujours d'en prendre soin. C'est notre outil de travail. Quand on vit du foot encore plus, on peut pas avoir une paire de crampons dégueulasse. C'est pas normal. C'est la petite histoire morale du soir, mais c'est vrai que c'était assez intéressant. Et c'était un bon gars que j'ai fait une petite dédicace qui s'appelle Basile de Carvalho, qui a arrêté sa carrière là il y a très très récemment, qui est un très bon joueur. On sort de la douche, maintenant gros dodo, bien se reposer pour demain, passer une bonne petite nuit. Deuxième jour d'essai, donc du coup je vous donne rendez-vous demain matin pour les nouveaux entraînements. Du réveil un petit peu, on va aller prendre le petit déj. En plus on n'a pas très bien dormi à cause d'une chambre d'à côté qui ont fait un peu le bordel, on s'est levé en pleine nuit, limite embrouillé avec eux. Mais bon, c'est pas grave, on va bien manger, ensuite on part à l'entraînement. Bon, je suis mort, clairement, c'est à cause de cette chambre-là. C'est levé en pleine nuit, j'ai toqué, je suis devenu fou là. 4h du mat, il fait du bruit de ouf. Les gars, ils étaient défoncés. Donc, vraiment casse-couille. Au moins pour attraper le coup. Bien manger là. Même le matin, petite salade de fruits. On change pas. Allez, on a bien mangé. On se prépare maintenant. Et après, direction d'entraînement, ça va être très lourd. Les petits jeux là, normalement, jeu Banide, 4 contre 4. Moi j'aime bien, après faut être bon à ça aussi. Donc on verra, mais on va se la donner comme d'hab à fond, en gardant le plaisir. Yeah.
Bon, je suis mort la team, bien fatigué là. Troisième entraînement en deux jours. Ça s'est plutôt bien passé. On a fait des concerts où là j'ai été très bon. Des duels défensifs un peu moins bien. J'étais un peu déçu de moi. Et après un petit jeu banni où là ça s'est très bien passé aussi. Donc plutôt positif. Et voilà, donc cet après-midi encore nouvel entraînement à 15h comme d'hab. Là je sais pas si vous avez eu énormément de séquences d'entraînement, c'était un peu plus dur de se faire filmer. Parce que c'est vrai qu'on veut pas déranger, il y a les coachs, tout ça. Donc on va éviter de filmer non plus tout le temps. Bref, on retourne à la petite cafette, histoire de manger un minimum correctement comme d'hab. Après on se repose un peu et nouvel entraînement. La routine ça continue. On voit pas, il fait pas très beau encore, mais il fait quand même très chaud. On est fin mai, hein, donc la chaleur est déjà là. Et donc c'est pas facile là pendant les séances. J'ai plus de jambes la team. Je suis mort. Menu cocotte, dédicace à toi. T'as vu, t'es partout, tu me suis même jusqu'à Villefranche. Vous voyez ces petits lits là? Il me donne beaucoup beaucoup envie hein, à faire. Petite sieste, tranquille. On a 1h15, même pas non, 1h pour qu'on parte. Donc on se repose un peu, on a bien mangé. Les jambes elles commencent à être fatiguées. Et encore là cet après-midi ça va être séance très très cool. Beaucoup de ballons. Franchement ce que proposent les coachs niveau séance on kiffe pas mal. Donc tant mieux. Bref, je ferme les rideaux. A tout à l'heure. Bon programme de l'entraînement de cet après-midi, beaucoup de jeux, des 8 contre 8, 10 contre 10, donc encore plus de réalité football. Ça devrait être pas mal du tout. Je vais essayer de vous faire, mon père va essayer de vous faire un petit peu plus de séquences de matchs, histoire que vous ayez quelques séquences pas mal. Et nous on se retrouve après l'entraînement. Mort, je vais pas vous mentir, je suis vraiment super fatigué, mais ça s'est encore correctement passé, un peu frustrant là. J'étais avec une équipe avec des gars qui pensaient qu'ils pouvaient tout jouer tout seul, dribbler tout le terrain tout seul, donc des fois c'était un peu embêtant. Donc on va voir, on reste positif, on continue de taffer, on continue comme d'hab d'essayer de se régaler aussi. On joue au foot pour le plaisir comme d'hab aussi. Donc voilà, je crois que le repos là ça va être le plus important ce soir, parce que demain, dernier entraînement qui est un match, une opposition. Donc aussi très important, et on va essayer de bien se reposer pour être à fond pour le match. Ça, aller au bon resto italien. Ah, qu'on trouve un bon resto italien? Oui. Enfin, après la cafette, après les cafettes. Oh non, la cafette, c'est pas bon ici, c'est dégueulasse. C'est parti, on va aller manger. Je suis mort, je suis fatigué. Pourtant, c'est que ça fait un moment là, Limoges au début de saison, parfois
5 entraînements par semaine, ou même c'est arrivé qu'on double. Et là, on a un peu reposé le rythme, on va dire. On fait 3-4 séances par semaine, pas plus. Donc là, c'est un peu plus intense, donc un peu plus fatigant, mais en vrai, ça fait limite plaisir, donc tant mieux. Et j'ai oublié de vous dire, je crois que ça doit résonner ici, c'est un peu chiant, mais Ludo, Ludo est parti. Lui, il faisait que 2 jours d'essai, il avait des obligations. Il devait être sur Limoges demain, pour demain matin, donc il sera plus là. Enfin, il loupera l'opposition de demain. Il a fait deux bons jours d'essai. De toute façon, c'est un très bon joueur, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Donc voilà, là je serai tout seul. Je pourrais plus faire mes lignes 2, Ludo, tu me lâches comme ça. Mais bon, tant pis, on s'adapte. Et après, petite précision aussi, pour vous donner un exemple, cette saison, même si là, l'essai que je fais, c'est en National 1. Là, par exemple, les frais pour l'hôtel et tout, l'hôtel, la bouffe, c'est moi qui paye. Alors que, par exemple, quand on a fait l'essai de Pape, c'était à Tours l'année dernière, qui est club qui était en Ligue 2. Là, au niveau de la bouffe, c'était pris en charge par le club. Donc ça dépend, ça peut vraiment varier selon les clubs et selon les niveaux. Et après, ça justifie aussi parce que Villefranche, bah, ils sont en N1, mais ils n'ont pas le statut pro. Ils sont quand même considérés comme amateurs. Donc ça fait une petite différence, bah, par exemple, par rapport à Tours, dont je vous parlais juste avant. Et dans tous les cas, bon, même si c'est à nos frais, ce qui est cool, c'est que l'accueil, les séances, enfin franchement, c'est vraiment top de top. Je suis très content. On verra s'ils me prennent pas, mais vraiment très content de Villefranche pour le moment. Nickel! Ancien pilote Seat, il n'a rien perdu, hein, même pour les créneaux. Bien arrivé au resto italien. On va voir ce que ça donne. Magnifique, je suis un vrai italien là, Tim. Un vrai italien. D'après vous, c'était bon la Tim? Bon, on a très bien mangé, plat de pâtes super, super bon. Donc voilà, on rentre se reposer. Toujours la même routine, hein, quand c'est 3 jours d'essai, ça se ressemble beaucoup. On attend, on se dit qu'on a hâte de savoir si on va les intéresser ou pas. Donc c'est surtout ça, l'objectif final. Donc voilà la team, on verra tout ça sans doute demain. Peut-être qu'ils nous donneront des nouvelles un peu plus tard, on verra. Mais en tout cas, on prend du plaisir, on se donne un max. Et ça devrait le faire, on se retrouve à l'hôtel. Regardez-le bien ce numéro là, j'ai la haine contre ce numéro. C'est ici là, à cause de cette chambre qu'on n'a pas dormi la nuit dernière. Bon, je vous laisse là la team, je vais dormir tranquille, bien me reposer comme d'hab. Pour le dernier entraînement, en position demain, on finit par ça. Bref, bonne nuit et à demain. Dernier jour, on prépare toutes les affaires, la valise, parce qu'on va partir de l'hôtel et c'est un peu le bordel. C'est là où on regrette, j'aurais dû le faire hier soir. Mais bon, tant pis, je prépare vite fait ça et ensuite on va manger. Mes jambes sont lourdes. Mes jambes sont très lourdes. Déception des plus totales. Il n'y a pas la salade de fruits. Voilà, voilà, je suis deg. Le soleil nous a rejoint par contre. Pour finir, déjà qu'on est fatigué, on va avoir la chaleur en plus. Ça y est, on arrive juste à droite. Moi je vous laisse là, on essaye de vous mettre quelques séquences de l'entraînement et on se retrouve juste après.